Bonsoir. Non, ce n'est pas une soucoupe volante et ce n'est pas un film de science-fiction avec les envahisseurs. Non, je tenais simplement un triptyque parce que lorsqu'il y a trois piliers, eh bien vous voyez ce presse-papier, tiens, mais à deux, ça tombe et ne parlons pas d'un. Alors, les fondements du judaïsme, voilà un peu notre thème. Eh bien, il y a plusieurs manières, plusieurs entrées pour expliquer le judaïsme. Quand un non-juif, à l'époque antique, a demandé à Hillel de lui résumer toute la Torah pour se convertir, Hillel ne lui a pas enseigné la totalité de la loi juive, lui a enseigné un principe: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, et le reste n'est que commentaire, va étudier. Mais il y a une autre entrée possible, et j'ai pensé, pour répondre à cette question, à cet enseignement de Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Simon le Juste, un contemporain d'Alexandre le Grand, qui venait de conquérir la Judée dans ses grandes conquêtes, et donc au IIIe siècle, avant l'ère chrétienne. Et Rabbi Shimon HaTzadik nous dit la chose suivante, au début des Pirkei Avot, traité des pères, qui existe en français, en traduction, plusieurs éditions différentes, parfois même commentées, il dit la chose suivante: Aolam, le monde, Omed, Al-Shlosha, Devarim, le monde repose sur trois piliers, à la Torah, à la Avoda, le culte, le service de Dieu, vel Gimlut Hasadim, et les actions de bienfaisance. Alors c'est une autre manière de dire les fondements du judaïsme. D'abord, Rabbi Shimon HaTzadik, qui est un des grands maîtres, on a surnommé le juste certainement parce que il apparaissait comme un homme droit et vertueux, eh bien énonce que le monde, à Olam, repose sur trois piliers. Alors, est-ce que ça veut dire le monde en général? Est-ce que ça signifie le monde mental de Rabbi Shimon? Est-ce que ça signifie le monde juif? Ben, on verra peut-être que finalement ces trois éléments sont imbriqués. On ne peut pas penser l'individualité d'Israël, le particulier d'Israël, sans penser aussi une dimension universelle. Alors, le premier pilier, eh bien, le pilier, c'est la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? Ben, c'est l'étude de la Torah. C'est la première dimension, on pourrait dire, du judaïsme. Vous voyez, c'est avant même la prière ou l'action, c'est d'abord la connaissance. La Torah, c'est la connaissance, c'est l'étude. Et on sait la place qu'occupe l'étude dans le judaïsme, au point même que si quelqu'un ne pratique pas, mais simplement étudie la Torah, eh bien, il accomplit un devoir religieux, c'est-à-dire que l'étude constitue une valeur en soi, indépendamment du fait de pratiquer ou de ne pas pratiquer. On peut étudier pour soi, on peut étudier pour enseigner, et puis on peut étudier pour pratiquer. C'est une formule qu'on trouve aussi dans la bénédiction qui précède le schéma Israël, l'ilmod ou l'amed, l'ishmor velasot ou kayem, donc étudier, transmettre, accomplir, réaliser, etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette Torah? Ben, bien sûr, d'abord c'est l'étude de la Bible, c'est la méditation de la Bible, comme nous l'enseigne le premier psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le chemin des méchants, mais qui médite, qui roucoule, qui rumine la parole de Dieu, qui devient sa Torah à lui, hein, qui est, en quelque sorte, c'est notre Torah personnelle. Mais on ne peut pas limiter seulement la Torah à l'étude de la Torah. Je sais que dans certains milieux, on pratique ce qu'on appelle le kulo kodesh, c'est-à-dire on n'étudie que la Torah. Et tout est dans la Torah. Voilà. Mais il y a d'autres approches, notamment Maïmonide, à propos d'un enseignement du Talmud où il dit « En lo la kodesh baruch hu ba'olamo » le saint béni soit-il n'a dans ce monde après la destruction du temple, que les arba amot shel halacha, les quatre coudées de la halacha, les quatre coudées du rituel, de la connaissance. Hein, les quatre coudées, c'est-à-dire voilà, le coude, hein, du bout de la main jusqu'au coude. Et en fait, quatre coudées, c'est-à-dire l'espace que nous occupons lorsque nous sommes assis à tenir un livre ou un parchemin ou un rouleau dans les mains. Et Maïmonide nous dit, attention, la halakha ne se limite pas, ce qu'on appelle en général le rituel, ne se limite pas uniquement à l'étude des principes religieux et rituels, mais aussi les sciences, le savoir.
La grande idée, c'est que l'étude de la Torah, ça se limite pas seulement à la Torah. Ça se limite pas d'ailleurs, parce que la connaissance des sciences, la connaissance de l'art, on pourrait même dire les romans, même les bandes dessinées, écouter de la musique. Là où il y a un enseignement à tirer, là où je peux apprendre davantage, je reçois de l'information qui me fait grandir et qui me permet, dans une conscience religieuse, de découvrir la grandeur infinie de notre Créateur, eh bien, c'est un lieu d'investigation de la pensée. Étudier la Torah, c'est étudier finalement le monde. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a pas de sotte connaissance. À condition, bien sûr, de prendre ces informations, de les méditer, de les recouler. Rabbi Moshe Ben Nachman, pardon, c'est-à-dire le Ramban, qui avait quitté l'Espagne à l'époque de l'Inquisition, a écrit à son fils une lettre célèbre qu'on peut trouver sur Wikipédia ou sur Google, hein, où il dit à son fils, parmi les conseils qu'il lui donne, les nombreux conseils de sagesse et d'humilité et de vertu, aussi de méditer, une fois qu'on a terminé d'étudier, de méditer ce qu'on a étudié, ou bien à la fin de la journée, de méditer toutes les informations. On a peut-être même en lisant le journal, une revue, enfin, ce qui peut paraître totalement profane, mais comment j'intègre cela? C'est le premier pilier, la connaissance, savoir. C'est peut-être ce qui forme notre humanité, d'abord, et qui nous distingue justement du monde de l'animalité. Le deuxième pilier, eh bien, c'est la avoda. La avoda, on a déjà vu ce terme dans le cours sur Moïse. C'est à la fois le travail, la transformation de la nature, c'est aussi la transformation de notre nature, et c'est aussi le culte rendu à Dieu dans la mesure où nous transformons lorsque nous accomplissons la prière ou le rituel. D'ailleurs, prier en hébreu, c'est aussi se juger, donc c'est se transformer, hein, se travailler. Alors c'est la deuxième dimension, c'est la dimension de la prière individuelle, la prière collective, et le propre aussi du judaïsme, c'est que c'est une prière individuelle récitée en collectivité, comme disait notre maître, Zichrono Livracha, le grand rabbin Meir Jaïs. Voilà, on prie individuellement, on prie en collectivité, il y a des prières qu'on ne peut réciter que si on est en communauté, un minyan, ça veut dire un quorum de 10 personnes, voilà. Et bah j'y reviendrai, c'est-à-dire on dit en général 10 hommes, mais pourquoi ne pas associer les hommes et les femmes? Voilà, dans l'Église libérale, les femmes, elles comptent pour les hommes, et chacun occupe sa place, et 10 personnes, et eh bien la présence de Dieu réside, on en parlera une autre fois, et eh bien cette prière, parfois, elle a besoin d'un quorum, c'est-à-dire d'une communauté, c'est-à-dire d'un échange d'énergie, de ferveur. Des uns par rapport aux autres, voilà, on s'entraîne les uns les autres. Vous savez, comme ces barreurs lorsqu'ils sont à 10, alors j'ai jamais fait de bateau, hein, voilà, combien il y a de rameurs exactement, mais je crois qu'il y a des bateaux avec 10 rameurs, et voilà, il y en a un qui dirige les autres avec un porte-voix, et puis les autres ils doivent y aller ensemble, voilà, bah, un peu comme ça, le chaliar tzibour qui donne la tonalité, et puis les fidèles. C'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la prière. Et troisième pilier, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon HaTzadik, évidemment, je confonds les maîtres. Voilà. Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Simon le Juste, troisième pilier, c'est Gemilut Chassadim, c'est-à-dire littéralement sevrer, comme on sèvre un enfant, de générosité. Comme si faire le bien à quelqu'un, c'était le sevrer de bien. Ne pas donner un petit peu, mais idéalement lui donner ce qui lui manque pour combler son manque. On a déjà parlé aussi de cela. Voilà, autrement dit, il y a ici trois dimensions. Il y a la dimension de l'étude et du savoir, l'étude de la Torah, ou l'étude des sciences, l'étude de tout ce qui existe, mais toujours en quelque sorte filtrée par la Torah pour donner une dimension spirituelle. La deuxième dimension, ben, c'est la prière, dans ses mots. Mais il y a aussi la prière individuelle. Rabbi Nachman de Breslav parle de Hitbodedut. Peut-être on en reparlera aussi. C'est-à-dire la prière individuelle où je choisis mes mots, où je parle à Dieu comme je parle à mon père ou à ma mère, et j'égrène ma relation personnelle avec le Créateur. Et puis, troisième dimension, donc, faire le bien autour de soi. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'étude et dans la...
et dans la prière sans qu'il y ait aussi un investissement dans le monde. Le Maharal de Prague, 16e siècle, résume cela de la manière suivante. Il dit d'abord la Torah, mais c'est le rapport de l'homme avec lui-même. Ben Adam le Atzmon. Pourquoi? Parce que quand on étudie, on s'étudie. Quand on pose une question, on pose sa question. Et finalement, par l'étude, on se découvre soi-même. On trouve des fois les décalages, justement, c'est ça. La question de l'un n'est pas la question de l'autre, et c'est pourquoi la grandeur du maître, c'est de répondre à chacun selon sa question. La deuxième dimension, c'est la prière, la avoda, le culte, c'est-à-dire la relation de l'homme à Dieu. Ben Adam, l'amakom, entre l'homme et le lieu du monde. Et troisième dimension, c'est la relation au prochain, Ben Adam, la havero, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain. Voilà, donc cette réflexion pourrait dire que ce sont les piliers du monde. Alors, bien sûr, chaque fois qu'il y a trois, on pense aussi aux trois patriarches, c'est aussi le thème du Maharal de Prague qui reprend cela. Il dit voilà, les trois fondements, eh bien, c'est que Jacob eh bien, va représenter la Torah, parce qu'on dit Torah tzivalanu Moshe, mon rachat kilat Yaakov. La Torah que Moïse nous a transmise, nous a ordonnée, est l'héritage de la maison de Jacob. C'est par Jacob qui donne ses 12 enfants, finalement, qui va donner le peuple d'Israël. Et c'est le peuple d'Israël dans la collectivité qui reçoit la Torah que Moïse va transmettre. Donc, la dimension de la Torah, c'est la dimension de Jacob. Ensuite, la avoda, le culte, le fait de se tourner vers Dieu, eh bien, c'est Isaac qui est prêt à faire de sa vie une offrande à Dieu. C'est parce que Dieu demande, mais Isaac était prêt à donner sa vie à Dieu, comme malheureusement des fois dans l'histoire juive, il y a le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, pour ne pas renier le monothéisme et l'héritage des pères. Et puis, la troisième dimension, celle de Gemilut Hasadim, ben vous l'avez deviné, c'est Abraham, parce qu'Abraham, c'est la générosité, c'est l'hospitalité. Voilà, un petit peu pour répondre à cette question, quels sont les fondements du judaïsme? Ben, je reprends ma soucoupe volante et je vous dis à très bientôt, chers amis, à la prochaine fois. Au revoir. Yeah.